Bonjour à tous. J'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Village des Carailles qui doit être... Ouais, voilà, par là. Se téléporter. Faut pas oublier, c'est les flèches antiques après. Ah là là, ça c'est une autre histoire. Alors, si je me trompe pas, c'est en haut. Donc le village est par là. Voilà. La réserve de flèches, s'il y en a, parce que je suis plus sûre qu'il y en a ici. C'est sur le bateau là-bas. Nourriture, 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 oui, flèche. Alors, un lot de 10 flèches électriques, j'achète tout. Il y a 3 lots, donc 420 rubis, oui. On dirait que tu as vidé mon stock, il va falloir que je me réapprovisionne. Chaque fois, il répète la même chose, donc un lot de 5 flèches en bois, j'achète tout. Il y en a 3, ça fait 60. Parfait, c'est des flèches en bois qu'il me faut surtout. En fait, nous allons aller. Oh non, le village des filles, il faut se redéshabiller en filles. Et il y a quoi d'autre que j'ai. On va aller là. Donc, au village Piaf. Si je me trompe pas, au village Piaf, il y a de la canne à sucre. Alors je me souviens jamais, je crois que c'est en bas. En haut, c'est les enfants et le chef dans mes souvenirs. On verra bien. Ici, c'est pour faire à manger, il n'y a rien. Ici non plus. Ici, c'est les vêtements. Ici, c'est la nourriture. Voilà, le boisseau de blé. J'achète tout. Il y en a 3, 36 rubis, oui. On dirait que tu as vidé mon stock. Les cannes à sucre, j'achète tout. 36 rubis, oui. On dirait que tu as vidé mon stock. Mode de beurre. J'achète tout. Oui. La prochaine fois que je vais faire des recettes, en fait, je vais me servir de mon bouquin, de mon livre de Zelda, et essayer de faire toutes les petites recettes qu'ils ont mis dessus, parce que j'ai jamais regardé, en fait. Et je me suis aperçue qu'il y avait une page entière de recettes. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc là, il y en a 5000 rubis et flèches explosives. Très bien, ça c'est des flèches en bois, oui. 5 flèches en bois, j'achète tout. Il y en a 3, ça fait 60 rubis, oui. Et ça ne m'intéresse pas. Bon, maintenant, on les a fait tous. On retourne. Enfin, il restera le village des femmes. On le fera en dernier, comme ça on pourra changer et basta. On va retourner. Je crois que c'est ici. Laboratoire antique d'Alcala. Pour faire les flèches. Parce que la dernière mission, je l'avais essayé sur mon deuxième compte, mais vraiment rapidement. Et c'est pour ça que je m'en souviens plus. S'il n'y arrivait pas, en fait. Oh, bienvenue. T'insères des matériaux et de l'oseille et moi, je vous échange tout ça contre de l'équipement antique. Donc, on va prendre le lot de 5 flèches. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait, échange en cours, bip, échange en cours, bip, bip.
Boupidou. Et voilà le travail au suivant. On va reprendre. Il nous en faut 5 de chaque, c'est pas énorme. Avec des flèches, on va en reprendre 5. Échange. Bon, je redis pas. Bon, voilà le travail, parfait. Par contre, est-ce que j'aurais. Ça serait ça qu'il me faudrait. Le glaire. Ça va casser. Ouais, c'est pas super ça. Je sais pas si j'ai de la place dans. Il est beau, je l'ai pas celui-ci. Échanger. Ah oui, je peux. Et voilà le travail. Donc en fait. Il est magnifique. Je vais pas le garder parce que je veux pas l'abîmer. Mais je voulais au moins l'avoir dans la collection en fait. Je vais prendre celui-ci. Hein. On va changer tout de suite. Pour pas qu'il nous refuse l'accès. Équiper. 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 Pourquoi tu veux pas monter toi? Donc en arc c'est celui-là qui ouais c'est l'arc archéologique le plus puissant donc je vais le garder. Je préfère le garder. Qu'est-ce que j'ai en double? Celui-ci. Et ici, qu'est-ce que j'ai qui ferait l'affaire? C'est ça, voilà. Allez, on se téléporte donc à la cité Gerudon. Gerudon, voilà, chercher. Et après, nous allons faire la mission de l'épée. 5 de Gukoshiz. Nous allons tout de suite dans la cité. On est en femme, donc il va pas avoir de problème. Coucou. Alors, ici, c'est de la nourriture. C'est ça. Ici, c'est de la viande. Ici, c'est les flèches. J'achète tout. 420 rubis. D'accord. J'ai tout. 60 rubis, d'accord. L'eau de tigre, j'achète tout. Il y a 3 lots à 420 rubis, d'accord. 10 flèches électriques. Ah non, je me suis trompée. Bon, 140 rubis parce que j'ai acheté qu'un seul lot. 10 flèches électriques, j'achète tout. 280 les deux lots. 20 flèches explosives. 20, j'avais bien. J'achète tout. Il y en a 3 lots, 1800. D'accord, mais c'est ici qu'il y a le plus gros lot en fait. Et là-bas, c'est nourriture aussi. Ah oui, ça oui, ça m'intéresse. C'est des choses qu'on a besoin pour faire dans la cuisine. Ça aussi, des poisseaux de blé, j'ai tout. D'accord. Là, c'est que des champignons. Là, c'est les vêtements. Donc, on est bon. Direction. On a comment en nourriture? Parce que je disais plus tard, mais je vais peut-être être obligée d'en faire maintenant de la nourriture, moi. Ah bah, j'ai pas grand-chose. D'accord. Bon bah alors, à ce moment-là, je vais faire une petite pause.
Et est-ce qu'on peut cuisiner ici? Je vais prendre mon livre, je vais faire quelques cuisines. Oui, ici. Il faut mettre le feu aussi par contre. On prend la torche, non? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire quelques cuisines pour qu'on ait de la réserve. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des petits plats sympas. Sur mon livre, il y a des petits trucs sympas. Donc, fruits au miel enduro. Restaure la jauge d'endurance. Les saveurs acides et sucrées se combinent à merveille dans ce dessert des plus gourmands. Alors, la recette, bien évidemment. Donc, n'importe quel fruit avec un rayon de miel enduro. Ce qui nous fait un fruit au miel enduro. Ça vaut 6 cœurs et ça restaure un petit peu la jauge d'endurance. Nous avons aussi, alors on met la recette, dorade meunière, robusto, augmente l'efficacité de l'attaque niveau 1. Ce plat savoureux est particulièrement apprécié par les populations de la côte, fraîche, à souhait. La dorade est à tomber. Donc un boisseau de blé, meute de beurre, et vous choisissez une dorade. Alors dorade lame ou une autre dorade. Et ça vous fait une dorade meunière, donc soit robusto, soit autre chose. Risotto aux légumes protecto, pardon. Donc la recette, citrouille arbo, boisson de riz, meute de beurre et cristal de sel. Donc ça augmente l'efficacité de la défense, niveau 1. La grande douceur des légumes fait de ce risotto un plat très apprécié des enfants. Donc ça nous donne 3 cœurs et ça nous augmente de 4 minutes 10 la défense. Ensuite, nous avons les bananes frites robusto. Frites, ouais, c'est frites. Donc, banane lame, boisseau de blé, canne à sucre. Ça nous augmente l'efficacité de l'attaque niveau 1. En dessert ou en plat principal, les enfants raffolent de ce plat. Les bananes doivent être frites à très haute température. C'est frit. Mais bon, voilà. Pour les bananes. Ensuite, nous avons les crêpes au miel enduro, bouteille de lait frais, œufs de volaille, boisson de blé, canne à sucre, rayon de miel enduro. Alors, ça nous restaure 10 cœurs et restaure un petit peu l'endurance. Donc, restaure la jauge d'endurance, un filet de miel recouvre ce dessert et lui prête sa puissante saveur. Un grand classique connu à tous les gourmands. Voici pour celui-ci. Ici, c'est des crêpes au baies. Alors, il nous faut baies, une bouteille de lait frais, œufs de volaille, boisseaux de blé et canne à sucre. Ça nous restaure 13 cœurs. Pour réussir ce dessert, la pâte doit rester souple. Des baies légères acidulées sont ensuite ajoutées en garniture. Nous avons le gâteau à la carotte tempo. Alors moi j'ai pris carotte tempo, mais vous pouvez prendre l'autre carotte aussi. Boisseau de blé, canne à sucre et meute de beurre. Donc moi, comme j'ai pris la carotte tempo, ça fait un gâteau à la carotte tempo. Si vous prenez une autre carotte, ça vous fera la carotte selon ce que vous avez pris. Améliore la vitesse niveau 1. Donc les carottes donnent à ce gâteau une saveur douce
caractéristiques, tout le monde en rafale. Donc ça, par contre, ça nous donne que 3 cœurs. Mais 9 minutes 40 de vitesse supplémentaire en amélioration. Le gâteau à la citrouille Protecto. Donc une citrouille Arbo, boisseau de blé, canne à sucre, meute de beurre. Donc augmente l'efficacité de la défense niveau 2. Grâce aux citrouilles Tempo, ce gâteau généreux a un goût sucré très particulier que même les enfants l'apprécient. Donc ça nous donne que 3 cœurs aussi, mais ça nous augmente niveau 2 de la défense. Nous avons le curry végétarien Vitali. Alors il nous donne 6 cœurs et nous restaure un petit peu la jauge, nous restaure la jauge et nous en redonne un petit peu, je crois. Remplit et dédouble la jauge d'endurance, donc c'est ça. Ce curry de légumes est très nourrissant. Il est spécialement apprécié pour sa saveur délicate et sa légère pointe d'épices. Donc une carotte vigueur, donc vous pouvez choisir aussi l'autre carotte, du coup ça vous fera un curry végétarien autre chose. Hein. Boisseau de blé et flacon d'épices Goron, mais je crois que je l'avais déjà dit. Ça m'arrive de me répéter des fois. Alors, nous passons au curry de fruits de Mère Max. Alors, boisson de blé, flacon d'épices Goron et Turbo Max. Curry fruits de Mère Max, récupération totale. Donc, si c'est une recette qui vaut le coup en fait. Plus 3 cœurs. Mais ouais, ça nous montre là-haut que ça me remplirait tout et ça m'en donnerait 2 en plus. Restaure les cœurs et en confère davantage. Ce curry original rassemble le meilleur de la mer, plutôt relevé, et il est davantage apprécié par les adultes que par les enfants. Donc voilà. Nous avons le curry de volaille. Viande de volaille, boiseau de riz et flacon d'épices Goron. L'ingrédient principal de ce curry est la viande de volaille. Sa saveur délicate se marie parfaitement à celle des épices. Nous avons le curry de venaison, donc venaison, boiseau de blé, non de riz, pardon, flacon d'épices Goron. Ce plat contient une large quantité de venaison, dont la saveur est rehaussée par la chaleur des épices. Ça restaure 4 cœurs. Et le premier restaurait combien ? 4 cœurs aussi. Curry de volaille fine. Viande de volaille fine, boiseau de riz, flacon d'épices de Goron. Pour réussir ce curry, les morceaux de viande choisis doivent être de qualité et les épices doivent être ajoutées à feu doux. Donc ça restaure 5 cœurs. Nous avons le curry de venaison fine. Donc il faut de la venaison fine, du boiseau de riz, flacon d'épices Goron. Un curry dont le goût riche et profond est assuré par l'utilisation de pièces de venaison de qualité. Ça restaure 5 cœurs. Nous avons le curry de venaison divine. Donc venaison divine, boiseau de riz, flacon d'épices Goron. L'exubérante quantité de venaison contenue dans ce curry et sa haute qualité le rendent incontournable pour les amateurs de viande. Ça nous donne 8 cœurs. Ça nous restaure 8 cœurs. Nous avons le ragoût de viande. Donc, il nous faut de la venaison, de bouteilles de lait frais, boiseau de blé, meute de beurre. Ce ragoût, réalisé à partir de viande fraîche, est un classique en Hyrule. Nourrissant, il suffit de contenter la plupart des appétits. Nous avons la restauration de 5 cœurs avec ce plat.
Maintenant, le ragoût de viande fine, donc venaison fine, bouteille de lait frais, boiseau de blé, meute de beurre. Ce ragoût se prépare uniquement avec des morceaux de choix. La cuisson lente sublime la saveur de la viande. Ça nous restaure 6 cœurs. Celui-ci, c'est un ragoût de viande divine, donc volaille divine, bouteille de lait frais, boiseau de blé, meute de beurre. Ragoût, les morceaux de viande de haute qualité fondent dans la bouche. Un vrai régal que chacun se doit d'essayer au moins une fois. Donc ce ragoût nous restaure 9 cœurs. Nous avons aussi le ragoût de citrouille Protecto. Donc il nous faut une citrouille Armo, une bouteille de lait frais, boiseau de blé et meute de beurre. Alors, ce ragoût augmente l'efficacité de la défense niveau 1. Ce plat est préparé en faisant longuement mijoter de la citrouille Armo. Il est souvent servi au village de Cocorico. Donc, il nous restaure 7 cœurs et nous met 4 minutes 30 d'augmentation d'efficacité de défense. Ah, nous sommes dans les veloutés de cœurs. Les fruits donnent à ce velouté une douceur incomparable. Il paraît qu'il rapproche les gens qui le partagent. Donc ce velouté nous redonne 8 cœurs. Ensuite, nous avons la soupe de coquillage Max. Alors, il nous faut une bouteille de lait frais, boiseau de blé, une meute de beurre et un turbo Max. Cette soupe restaure les cœurs et en confère davantage. Ce plat peu commun combine la richesse du Turbo Max et celle d'un potage fait de beurre et de lait. Donc elle vaut le coup en fait aussi celle-ci. Nous voici dans les recettes de monstres. Donc ragoût de monstre Max. Nous avons venaison divine, extrait de monstre et perche Max. Restaure les cœurs et en confère davantage. La saveur apportée par l'extrait de monstre à ce plat de viande et de poisson est tout à fait unique en son genre. Donc ça nous restaure tous les cœurs et ça nous en donne 3 de plus. Nous avons la soupe de monstre. Donc il nous faut une bouteille de lait frais, du boiseau de blé, la meute de beurre et l'extrait de monstre. L'ingrédient essentiel de cette soupe au goût faisandé est extrait de monstre. On aime ou on n'aime pas. Par contre, ça nous donne qu'un quart de cœur. Alors c'est vraiment très peu la soupe. Hein. Le gâteau de monstre, tout le monde le connaît, hein. Donc je l'ai refait parce que je devais plus l'avoir, je sais pas, ou j'ai pas fait attention que je le refaisais. Ensuite, nous avons les boulettes au monstre. Ça me semble bizarre. Si je les refais, c'est... Non, c'est bien ça, c'est bien le gâteau au monstre. Bon, boulettes au monstre. Il nous faut boisseau de riz, cristal de sel, extrait de monstre. Donc uniques en leur genre, ces boulettes de riz à l'extrait de monstre ont une saveur que seuls certains savent apprécier. Ça nous restaure 5 cœurs. Curry de monstre. Alors, boisseau de riz, flacon d'épices Goron et extrait de monstre. Ce curry original est préparé à partir d'extrait de monstre. Sa saveur stimulante ne doit rien aux épices. Un quart de cœur aussi. Bon, les autres, c'est les anciennes, si je me souviens. Bien, ouais, c'est ça. Les 3 autres, c'est les anciennes, donc j'en ai fait quand même quelques-unes sympas.
Viande et turbo, faudrait que. Je sais plus s'il me reste de l'extrait de monstre. Je sais pas s'il m'en faut. On verra ça plus tard. Donc là, on est bien. Maintenant, nous pouvons nous téléporter. Donc, à la forêt Korogu. Voici cette belle petite musique. Donc l'épreuve de l'épée se trouve ici. Mais on va en profiter avant. Attendez si je le retrouve parce que j'ai toujours du mal à trouver cette entrée. Où est l'arbre majeur? Ça, c'est la lumière. Elle est là normalement. Voilà. Je me disais. Donc ici, c'est pour dormir. On peut se reposer. Oui, bonsoir, bon appétit. Ah, désolé, je crois que je me suis assoupie un court instant. Oh, mais oh, c'est toi, Miro. L'arbre majeur nous a parlé de toi. Oui, tu as enfin réussi à atteindre notre belle forêt. Je t'ai attendu. Encore un peu et je prenais racine. Déjà des radicelles. Bienvenue au nombril de l'arbre majeur. J'ai préparé ce petit lit de feuilles rien que pour toi, ami héros. Tu peux faire dodo aussi longtemps que tu veux, ami héros. Je vais dormir. Combien ça coûte? Non, merci. Je vais dormir. Combien de temps pour le dodo? Jusqu'au matin, jusqu'au midi, jusqu'au soir, finalement, non. On va dire jusqu'au matin, allez. Jusqu'au matin, d'accord. Installe-toi et fais dodo. Je pense que ça va remettre mes cœurs. Ou alors il faut que j'aille à ma maison. Je ne sais plus si ça le fait partout. Non, ça le fait partout. Parfait. Bonjour, bonjour. Pour le petit déjeuner, c'est à côté de l'éco-pigeon. D'accord. Fatigué ou non, tu seras toujours le bienvenu pour faire un gros dodo. Oui. Mais je pensais que si on payait plus. On en avait plus. Combien ça coûte? Normalement, il nous propose deux choses. Oh, mais rien du tout, du tout. Toujours gratuit pour la Miro. Ah, d'accord, donc on peut pas faire plus. Parfait. Ici. Donc, non, mais ça, oui. À secouer parce que vous avez vu, il nous en faut beaucoup pour faire les recettes. C'est ce qu'on nous demande le plus. On va reprendre le oui, pourquoi pas. 60 rubis, oui. C'est encore des flèches. J'achète tout. 240. Profitons, on a de l'argent vu que j'ai revendu. Radis, on n'a pas besoin. Pam, on n'en a pas besoin. J'achète vraiment que les choses que j'ai plus. Hein. Là, on ressort. Donc là, c'est encore. Je sais plus. Champignons, truffes, champignons. Oui, donc ça m'intéresse pas. Nous sommes parés pour aller devant la lumière. Alors, je vais refaire vite une petite pause pour vider ma clé. On est prêt pour attaquer, on n'a plus qu'à se changer. Donc, on va s'équiper évidemment de cette épée. On peut garder ça. Ah non, prendre les flèches en bois. On garde le même bouclier.
Alors, par contre, on va s'équiper évidemment son pantalon. Pantalon et lien. Est-ce que ça fait bien en vert? Oui. Mais normalement, c'est mieux en blanc. Je l'avais pourtant. Je ne sais plus où il est. Ah, ici. Là, le visage aussi, il faut peut-être changer. On va mettre l'eau, non. L'électricité. On peut peut-être avoir une petite protection électricité. Voilà. Comme ça, il a des bijoux en même temps. Là, on est pareil. Bon, à part qu'on n'a pas le bon bouclier, mais... Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt !